faire ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Silence, s'il vous plaît. Mes tout premiers mots sont des mots de gratitude. Gratitude d'abord à l'endroit de Dieu qui rappelle la grâce immense et en même temps imméritée de me permettre d'atteindre l'âge que nous célébrons aujourd'hui dans un état de grande santé et dans la paix du cœur et dans la paix de l'esprit. Remerciement également à une dame que nous regrettons de ne plus avoir avec nous, parmi nous, Madame Maëlle Passy. De son esprit et de l'esprit d'un certain nombre d'autres femmes partout dans le monde, dans la diaspora européenne, dans la diaspora américaine, canadienne, dans le reste de l'Afrique et également en Côte d'Ivoire, de leur esprit a germé cette idée simple mais généreuse de célébrer la grande capacité de Simone et Idéba. Je voudrais vous dire merci. Et cette idée toute simple et toute généreuse que vous avez eue a grandi, s'est propagée et a pris la toile tout entière et a touché tous les continents dans le monde entier. Vraiment, soyez bénis. Remercier particulièrement la présidente du mouvement Enfant Simone et Yves Bago Kappa. Chère maman, chère soeur, chers enfants, membres de ce mouvement Simone et Yves Kappa, mesdames et messieurs, les membres du comité d'organisation, je voudrais de tout mon cœur vous remercier pour l'initiative que vous avez prise cette année de célébrer mon anniversaire ici à Yopougon. Cela est la preuve et la considération est la preuve hein, de toute la considération et de toute l'estime que je vois. Chère maman, chère sœur, chère fille, à ce jour du 20 juin 2021, la joie est grande. Parce que par cette initiative-là, vous m'avez, d'une certaine manière, légitimé. Et en même temps, vous m'avez
guéri de toutes mes blessures. Merci également
pour tout cet engagement, pour toute cette manifestation d'amitié, de solidarité. Vraiment, merci que Dieu vous donne. Je voudrais enfin remercier tous ceux et toutes celles qui, par leur présence physique, par leur apport intellectuel, matériel et financier, ont contribué au succès de ces deux jours de célébration. J'ai appelé deux jours de célébration. Est-ce que vous avez vu? Deux jours de célébration. Moi, je dis là. Deux jours. Vous m'avez célébré comme si j'étais une reine. Au chef du village d'Azito et à sa notabilité pour leur disponibilité et pour leur hospitalité. Merci au ministre Guillaume-Fémy. Je ne sais pas s'il est encore là. Il est là. Frère, ancien frère, moi de toujours, merci. Tu es resté le même. Aussi brillant. Aussi beau parleur, prêt à témoigner de moi. Je veux que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse à ta vie. Que Dieu bénisse à chaque personne. Merci au ministre Domino. Domino n'a pas pu arriver. Il est venu lui-même physiquement. Il n'a pas pu arriver. Mais même s'il n'est pas venu, nous avons parvenu quand même son texte que hier après-midi nous avons dégusté. J'étais vraiment presque prête à me cacher sous une table pendant que je goûtais tout ce qu'il disait, tout son témoignage sur ma vie, sur mon militantisme, sur la vie dans le parti, et puis il a beaucoup de mémoire, donc il m'a ramené à mémoire beaucoup d'événements que nous avons vécu, beaucoup de chemins que nous avons parcouru ensemble. Donc, et nous, que Dieu te bénisse. Merci à tous ceux qui ont participé au débat. Alors, il y a eu le débat, et aujourd'hui, il y a eu le quiz. Je voudrais relever un petit détail qui ne correspond pas vraiment à l'histoire. C'est bon que ce soit bien corrigé. Je n'ai jamais dirigé un parti communiste en Côte d'Ivoire. Entre par contre, quand j'ai commencé moi-même ma marche et mon initiation à la politique et mon militantisme, j'ai travaillé dans une organisation d'obédience communiste. Donc, c'est vrai, j'étais communiste, mais pas dans un parti. Voilà. À cette époque-là, on n'avait pas encore créé de parti. On avait juste une organisation communiste. Parce que nous étions dans la clandestinité. Ceux qui disent parti là-bas, à l'époque-là, on pouvait se trancher la tête. Hein. Donc, on a dit organisation communiste. Voilà. Le parti que j'ai eu à diriger, c'est le populaire. Merci à tous ceux qui ont fait des témoignages sur le parti. Félicitations à ceux qui se sont prêtés au jeu du quiz et particulièrement mes félicitations aux heureux gamins. Merci à tous les artistes. Merci à tous les groupes de danse qui ont animé la fête. Merci à toutes ces délégations qui sont venues de divers horizons du pays pour venir fêter aujourd'hui avec moi. Ils sont venus de l'intérieur du pays, en car, pour venir fêter ici avec moi. Que Dieu les bénisse.
Maintenant, le temps est arrivé d'apposer une signature sur les livres que vous avez bien voulu acheter, hein, et qui retrace un petit peu tous ces contacts que nous avons eus dès ma sortie de la prison, tous ces échanges que nous avons effectués dès ma sortie de prison, pour que cela demeure, que ça se pérennise, que ça ne se perde pas, que ça ne soit pas emporté par les vents, mais qu'au contraire, ce soit fixé définitivement, et que l'on voit, que l'on lit, que l'on entend, que les Ivoiriens ont beaucoup souffert pendant la crise. Et que les Ivoiriens ont beaucoup perdu pendant la crise. Mais que les Ivoiriens sont conscients de ce que, pour que leur pays continue d'être ce pays de la grande fraternité, il faut qu'ils acceptent de faire le pas, de se mettre au-dessus de leurs souffrances, de leurs réclamations, de leurs amertumes pour aller au pardon et pour aller à la réconciliation. Le texte a été fixé, que Dieu lui-même bénisse ce texte, que ce texte continue de guérir le cœur des Ivoiriens et que nous marchons tous dans la joie, dans la paix retrouvée et dans la réconciliation. Merci beaucoup. Bonne touche à vous et que Dieu vous bénisse. Ivoire TV.